Allez, salut tout le monde, c'est Azuric Persan, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 9 de notre Let's Play 100% sur Super Mario Maker 2. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Souvenez vous, dans la précédente vidéo, nous avons, je sais même plus ce que nous avons fait dans les précédentes vidéos. Je sais même plus, je crois que nous avons fait quelques missions, mais je m'en souviens plus du tout. Je crois que nous avons fait des missions de Toad Violet, je crois. Nous avons débloqué la nouvelle accès, je sais même plus ce que nous avons fait. Ça date un petit peu. Oula, enfin ça date, j'abuse un peu, mais ça fait un petit moment. Du coup, nous allons jouer. On va faire la bonne histoire. Honnêtement, je m'en souviens plus. Je crois que nous avons commencé. Nous avons commencé pas. Nous avons pas commencé des travaux. Voilà, si. Nous avons commencé les travaux de la porte. Qui mène au rez-de-chaussée au premier étage. Je me disais quand même. Donc, du coup, bah, il fallait impérativement. Impérativement, je dis bien. Continuer, tout simplement. Sachant qu'il y a plein de monde. Tout simplement. Alors, eux, ils sont pas des missions. Donc, ils sont pas en rouge. Je crois qu'il y a que quand ils sont en rouge. Qu'il y a des missions. Voilà, on avait débloqué le tuyau. Vu avec ce Toad, on avait débloqué, je crois, des costumes. J'ai terminé toutes mes tâches. Alors, je prends un peu de repos. Donc, il a terminé toutes ses tâches. On va voir ce qu'il y a là. Non, en fait, il n'y a rien plus. Il n'y a plus rien ici. Et malheureusement, il manque encore des trucs à casser. C'est-à-dire qu'il nous manque encore deux choses à faire, en fait. Enfin, en gros, deux choses à faire ici, en bas. Et tout à gauche, genre de manivelle trop bizarre. Je sais pas d'où ça mène, ce truc, mais on verra. Et du coup, écoutez, nous allons commencer. Du coup, là, on va continuer l'émission. Voilà l'émission que j'ai en ce moment. Alors, du coup, nous allons faire des missions secondaires, comme on fait d'habitude. Alors, vous avez vu, il y a quatre fiches de mission. Ça s'abusait. Il y a quatre fiches de mission. Alors, du coup, dans cet épisode, nous allons nous allons faire la pierre de la rivière. Voilà, 3 sur 4 étoiles. La pierre de la rivière. Le contre-maître est très difficile quand il s'agit de pierre. Alors, je suis elle a cherché dans la forêt, mais elle est inondée. Et je ne suis pas un très bon nageur. Toi, tu adores nager, pas vrai, Mario? Tu crois que tu pourrais me ramener une pierre? Atteignez la rivière en donnant une pierre. 3 étoiles sur 4. Toad Jaune. Bonne chance, le moustachu. Du coup, nous allons ramener sa fameuse pierre. Donc, c'est super. New Super Mario Bros. U Deluxe, du coup. La version. Ah, c'est d'accord, c'est ça? Ah, d'accord. Bah, attendez, il y a un truc à faire en haut, non? Attendez, mais il y a un truc à faire en haut. On peut aller en haut. Attendez. Autant explorer. Je pense qu'il y a des pièces en haut. Je pense que. Soit c'est une pièce, soit c'est une vie. Mais honnêtement, je pense que c'est des pièces. Voilà, regarde. C'est bâtard, ça. On la voit pas. Du coup. Hop. Ah. D'accord. Oh putain. Ok. D'accord, j'ai compris ce qu'il faut faire. Bien sûr. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah merde, d'accord. Merde, dégoûté. Alors du coup, on va l'amener en haut. Bah, attendez, non. Oh merde, bon attendez. attendez. Ah bah regardez, voilà, on a pu. D'accord. Là c'est vraiment l'exploration du coup de la zone. Ouais. Certes j'aurais pu être dessus, mais bon écoutez, c'est pas très grave. J'ai pas réfléchi donc quand on a commencé à pas réfléchir, vaut mieux de pas continuer. Du coup, on tente d'assumer jusqu'au bout. Ah oui, d'accord, j'ai compris ce qu'il faut faire. Voilà, maintenant on peut la prendre. Ok, alors du coup. Ok, ça mène à un nouvel endroit. Ok. Attendez. J'ai compris ce qu'il faut faire ici. Voilà, avant que l'eau rebaisse. Vite. Voilà. Ah, par contre, ça c'est pas possible. Ça, c'est clairement pas possible. On va attendre un peu. Je sais pas si le niveau est encore long, mais... on va attendre un peu. Mais au moins, c'est un bon petit niveau. C'est un truc de ouf, c'est que c'est les niveaux que du coup, c'est vraiment personnalisé et tout. C'est super. Limite, dites-vous que c'est comme un hack, entre guillemets. Oh, bien sûr, non. Oh, vas-y, va te faire foutre, mais bien correctement. Sérieusement?
Il y a un truc en plus ici. Oh, attendez. On fait quoi? De toute façon, on peut pas y aller ici. De toute façon, c'est obligatoire que ce soit ici. Attendez, je comprends ce qu'il faut faire. Tac. Voilà. Et du coup, on peut y aller. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Allez, hop. Merci. Bah, par contre, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Allez, on continue. On continue. Ah, bah, c'est la fin. Alors là, peut-être le niveau de l'eau va monter, voilà. Qui va permettre, du coup, d'atteindre tout là-haut. Tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Bien sûr. Bien sûr. Bon, au moins, c'est pas grave. Au moins, nous avons eu la pierre en même temps. Et ça nous a fait des pièces, hein. Mine de rien, ça nous a fait des pièces. C'est important. Et on va pouvoir construire la dernière truc à construire avec le Toad John. Merci pour la pierre. Je vais en faire un truc joli. Donc cette fois, Goomba, Ship Ship et Koopa. D'accord. Et du coup, nous avons terminé l'aile ouest porte. Aile ouest porte prête. 37%. Bye. C'est bon, t'as plus rien? Merci pour la pierre, je m'en suis servi pour faire une statue Koopa. Oh, trop mignon, ma tâche est accomplie. Donc en fait, finalement, nous n'avons plus rien à faire avec eux. Pour le moment, il n'y a plus de mission secondaire sur le truc. Donc du coup, il n'y a que le chien et la grenouille à faire. Sachant qu'il a terminé la construction de la porte. Youpi, les portes de l'aile ouest sont finies. On peut maintenant accéder au premier étage en prenant la porte du rez-de-chaussée. Quelle élégance en couper le souffle. J'ai l'impression de me regarder dans un miroir. Allez, allez, on se ramollit pas. Putain, Toad. Toad, j'adore qu'il fait la nuit. Fait la dictature. On verrait pas Toad comme ça parce qu'en général Toad on la voit plus dans, on la voit plus vraiment celle qui comme Peach un peu fragile et tout quoi. Finalement pas du tout. Une fois que l'aile ouest aura un toit, elle sera terminée. Pour ton aide. Merci pour ton aide, d'accord. De toute façon il manque le canon hein. Donc le canon il est pas pour maintenant parce que ça a 700 pièces. Donc du coup nous allons continuer hein. Voilà les missions que j'ai en ce moment. Alors du coup nous allons faire, nous allons continuer les quêtes secondaires hein. Alors fuite en carapace hors des marées, 3 étoiles sur 4. Ouf ouf, j'ai une mission à te confier, les nuits sont fraîches ces temps-ci. Alors je me demande si tu ne pourrais pas me rapporter quelque chose pour me protéger du vent. Atteignez l'arrivée avec, dans une carapace de Skull Rex, 3 étoiles sur 4. J'ai en train de perdre ma voix, amuse-toi bien. Tiens j'ai en train de perdre ma voix, c'est un truc ouf. Ah d'accord, Super Mario Land. Bah oui je m'en doutais en même temps mais... Fuite en hors des marées. Ok d'accord, j'étais pas au courant. Et j'ai eu, honnêtement, je préfère vous le dire, j'ai eu peur du truc. Par contre, on peut pas y aller dessous la mer avec ça, non? On peut pas y aller. Sérieusement? Oh j'allais dire. Allez hop. D'accord, fuite. Je comprends, c'est pourquoi le nom du truc. Ah bah oui. Bien sûr. Oula, oula. I'm die. I'm die. J'en étais sûr. Honnêtement, j'étais pas prêt. En fait, c'est un peu difficile quand on connaît pas le niveau. Donc là, pas de le screamer. Putain, vraiment, il faut arrêter. Ça, c'est vraiment un screamer à la con, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En fait, je voulais pas la prendre de base. Donc là, le petit screamer again. Oui, non, mais c'est ta gueule, Luigi. Ta gueule. Eh oh, mais je veux pas. Mais putain, mais. Oh, ça par contre, c'est vraiment codé avec le cul, quoi. Je veux pas la prendre, moi, la pièce. Enfin, la carapace. Pourquoi il me la prend, celle-là? Voilà, merci, putain. Je voulais pas la prendre de base. Allez. What? Il s'est passé quoi? Je sais pas du tout. Je crois que sans le vouloir, c'est en sautant en fait. Je sais pas. Il y a eu un petit bug, donc on va se calmer là. Allez hop, c'est parti. 2, 3, 4. Ok. Parfait. Allez maintenant, nous accélérons le rythme. Attention, on va attendre qu'il soit bien en haut. Parfait. C'est vraiment un niveau de ouf.
J'étais pas prêt. Oh putain. J'étais tellement pas prêt, je vous le dis clairement. Y'a quoi à faire là? Y'a rien à faire ici. Hein. Pourquoi y'a une flèche? Ah d'accord, c'est peut-être pour se poser. Ah oui, c'est pour se poser clairement. Oh là, la pièce, ça c'est mort par contre, je vous le dis clairement. Oh merde, merde, merde. Ouf! Qu'est-ce qu'il faut faire? Putain. Quand tu connais pas le parcours, c'est un peu plus difficile. Bah oui. Bah oui, quand tu connais pas le parcours, c'est bien difficile, justement. Putain. Quand tu connais pas le parcours, c'est trop difficile à anticiper. Oh, fais chier. Putain. Quand tu connais pas le parcours, c'est ultra difficile à anticiper. En plus, ce niveau, il est long, quoi. Ce niveau, il est très long. Très, très long. Le temps de descendre et tout, c'est vraiment un temps de chien, quoi, qu'on gaspille à chaque fois. Allez, 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 allez. Donc, maintenant, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, c'est parti. On récupère ça, sachant que maintenant, il faut reculer parce qu'il y a des choses là. On recule parce qu'il y a des choses là. La pièce. Voilà, vous avez vu, quand on connaît un petit peu, c'est mieux, hein, tout de suite. Hein. Comme par hasard. Bon, du coup, on va faire attention. Voilà. Donc, maintenant, on passe là. Attention. Ok. Ouf, putain. C'était vraiment limite. Donc là, on fait pas l'erreur. Voilà. On va attendre un peu. Ouh, putain, comme c'est chaud. Attention. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, doucement. Allez, 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 allez. Oui. Putain, comme c'est chaud. C'est quand que c'est la fin? La fin. Bon, l'étoile, 5 pièces. C'est déjà ça. Wouah, putain, c'est quoi ce niveau? Sérieusement? 80 pièces. Ah, ok. Ah, il a une autre mission. Wouf, wouf, devine quoi? J'ai encore une mission pour toi. Wouf, wouf, merci. Ah, ça soit je pense à la dernière peur des chomps. Ok. On a parlé de l'administrateur de cette mission. D'accord, ben oh, ça, c'est bien, ça commence à avoir une bonne gueule. Ça commence à avoir une bonne gueule, ben écoutez, nous allons y aller. Non. On peut pas. Du coup, ben, nous allons continuer. Écoutez, voilà ce que je fais en ce moment. Nous allons ben, faire la peur des chomps. Voilà, 4 étoiles sur 4. Wouf, wouf, j'ai une mission pour toi. Le chemin de ma promenade est infesté de chomps. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que tu pourrais me montrer comment faire tout le chemin sans sauter? Atteignez l'arrivée sans atterrir une seule fois ou si vous quittez le sol, 4 étoiles. Putain, non. En plus, il y a un costume. Bonne chance. Amuse-toi bien, voilà, super. Putain, restriction de merde. Mario World, d'accord. Putain, restriction de merde. Oh putain, c'est du timing. C'est du timing. Tac, tac. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, quand tu connais pas les éléments du décor. Putain, c'est ouf comme c'est. Comme c'est dur. C'est ouf comme c'est dur. Alors là, c'est sans quitter le sol. Alors, du coup, faut se mettre obligatoirement sur la première à chaque fois, je pense. Parce que si ça monte. Oui, mais alors, tu peux pas te mettre sur le premier à chaque fois. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Par contre, avec les IA, seulement il faut se calmer là. Hein. Oui, là. Allez, 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 allez. Ouais. Et ben voilà. Et ben voilà. Quand vous y êtes pas prêt comme ça, c'est un truc de ouf. Putain, j'étais pas prêt. C'est bien, maintenant il faut refaire. C'est bon, je. Non, c'est bon.
Ok. Oh putain. Ok. Bon. Deuxième parcours. Il faut faire attention après le chemin. Ah oui, en fait, comment voulez-vous deviner? En fait, je crois que les pièces, c'est là où je dois aller. Bah, regardez. Les pièces me montrent le chemin où je dois me rendre. Allez, là, voilà, c'est ça. Oh putain, voilà, où je dois me rendre. Mais je pense que les pièces sont normalement tous attrapables. S'il a mis ça, c'est pas pour rien. Enfin, s'ils ont mis ça, c'est pas pour rien. Donc, je pense qu'honnêtement, c'est le chemin à parcourir. Donc là, il faut faire ultra attention, par contre. Voilà, par exemple, ça. Voilà, ça, c'est le bâtard. Voilà. Ok. Ah, j'ai compris ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il fallait ramener ça, regardez. Tac. Ok. Oh putain. Ok, c'est parti. Oh, j'ai compris ce qu'il faut faire, regardez. Oh. En fait, je vais vous expliquer. Je crois que si le truc aurait été trop en bas, ça m'aurait compté comme faux. Putain, c'est bâtard parce que du coup on fonce comme un taré, mais on se rend, et du coup on se rend pas compte du dernier truc. Oh, ça c'est fourbe. Oh putain, ça c'est fourbe. Robe sans retour. Waouh. Ah oui, tellement. Oh, j'aimerais trop la mettre pour l'ami. Ça irait trop bien. C'est bon? C'est bon pour le chien? Wouf, wouf. C'est gentil d'avoir accepté toutes mes missions. De rien. Donc du coup, bah, cette fois-ci, nous allons faire, voilà, on a le temps pour faire la mission du crapaud. Voilà l'émission que j'ai en ce moment. Retiens ton souffle, 3 étoiles sur 4. J'aimerais impressionner ma chair et tendre quoi? Par exemple, un agent tout le long de la rivière sans sortir de l'eau. Une seule fois, pour reprendre mon souffle, quoi? Pourrais-tu vérifier que c'est faisable? Quoi? Atteigner l'arrivée sans sortir de l'eau une seule fois. 3 étoiles sur 4, bonne chance. On va aller voir. Ok, New Super Mario Bros. U Deluxe. Ok, j'ai compris ce qu'il faut faire. Regardez ce qu'il faut faire. Putain, comme c'est bâtard. Ok. Même je pense que grand, c'est une connerie à faire. Parce que du coup, vu qu'on est plus grand, c'est un peu plus compliqué de faire ce que j'avais prévu. Oh putain, comme c'est horrible. Oh, attendez. Oh putain. Oh putain. Oh, oh, oh putain, comme c'est ouf. En fait, tu peux rien faire. Oh là là, putain. Non. Qu'est-ce que c'est que ça, sérieusement? Attendez, le petit champignon. Là, c'est bien, c'est l'instant repos. C'est l'instant où on se pose, on réfléchit un peu plus. En faisant tout de même attention, parce qu'il y a ça qui dérange. Mon dieu. J'ai compris, il fallait faire en sorte de mettre ça. Attendez, non, j'ai rien dit en fait. Tac. Faut rester le plus longtemps possible en bas. Du coup, il faut vraiment pas sortir la tête de l'eau une fois, quoi. Ah, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Merci. Attendez. Attendez, mais je crois que ça nous fait sortir de l'eau, ça, non, c'est bon. Putain. Attendez, je vais pas y arriver. Non, on va pas y arriver comme ça. Putain, alors là, par contre, le truc en haut, hors de question, je le... Voilà. Doucement, mais sûrement. Putain, il y a même les ailes. Je pense que ça, c'est une connerie, ça. C'est une grosse connerie à faire. Eh bien, bien sûr. Putain. Oh, mais ça, c'est fourbe. Ah, mais je savais pas que ça pouvait... Que ici, ça allait faire... Oh, putain, ici, il faut faire d'un coup. Mais il y a tellement de Kamek que vous pouvez pas tout faire. Il y a tellement de Kamek. C'est grave. Oh, putain, il y a tellement de Kamek, quoi. Vu qu'on connaît quand même un petit peu le niveau, on peut se... Il m'a pas compté comme un valide.
Enfin, je crois que c'est. On peut garder la tête hors de l'eau, je pense. Mais il faut pas qu'on saute une fois qu'on a la tête hors de l'eau, en fait. Parce que du coup, il nous considère comme faux, du coup. Ah putain, bien sûr. Bien sûr. Ah bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si tu veux. Si tu veux. Bon, là, ça, c'est l'instant. L'instant ouf, posé. Quand même à faire attention parce que ça, c'est bâtard. Voilà, 35. Mon dieu, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ouh, il me l'a pas compté. Ah, oh, il me l'a pas compté, c'est un truc de ouf. Bon, en fait, ça va, c'est un peu, c'est indulgent quand même. C'est pas non plus ultra bâtard. On croirait, mais c'est pas bâtard en fait. Putain, putain. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On saute pas, on saute pas, on saute pas, on saute pas. Oh putain, comme c'est ouf. Comme c'est dur. Oh dommage, dommage. Non. Putain, comme c'est ouf. Allez, on s'en fout, 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 on s'en profite, on profite, on profite. Voilà, comme ça. Mais je fais pas avec moi rien foutre parce qu'il y a des moments où quand t'as pas le temps, t'as pas le temps. Oh ça par contre l'autre, il y a un truc en haut, rien à battre. Il est où le drapeau? Il est où le drapeau? Il s'est pas passé un bug là? Le drapeau. Il a disparu le drapeau. Attends, c'est peut-être en haut. Ah, mais non, pas, on va sortir du niveau là. Le drapeau il a disparu, c'est un peu normal. Attendez, mais le drapeau il a disparu sous nos yeux, c'est quoi cette connerie là? D'où le drapeau disparaît sous nos yeux? Oh putain, ça va faire chier quoi. Attendez. On va quand même le speedrun honnêtement, hein, je vous le dis clairement. Là, les pièces et tout pour ce niveau. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, hop. Allez, 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 allez. Ça, par contre, ça c'est intelligent, ça. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Allez, putain. Comme c'est ouf. C'est ouf, comme c'est dur. Attendez, attendez, attendez. Par contre, le drapeau, honnêtement, je sais pas pourquoi il a disparu d'un coup. Peut-être je suis sorti hors de l'eau, ça m'a rendre compte. Je vois ce qui est vraiment possible, mais que j'ai pas vu le message. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Voilà, on est à la moitié. Là, c'est rassurant, on est à la moitié. Du coup, là, c'est le temps où tu réfléchis un peu. On va quand même récupérer ça, parce que c'est gratuit. Allez hop. Ah oui. Oui. Mais bon, ça ne sert à pas à rien. Ok. Oh putain. Alors lui, je m'attendais pas honnêtement. Alors lui. On va pas se refaire baiser une autre fois quand même. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, rien à foutre, le drapeau, il est là. On fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Mais d'où? Mais c'est lui qui le fait transformer. Mais sérieusement, on fait comment? Mais on fait comment pour le terminer, le niveau? Putain, il y a un Kamek ici. Putain, ça, par contre, ça s'est codé avec le cul. Hein. On fait comment? Attendez, pas grave, on va voir ce qu'il y a en haut parce que là honnêtement, ça m'intrigue, il y a des choses en haut qui ne sont pas censées être en haut. C'est quoi cette connerie là? Mais il n'y est pas le drapeau, mais qu'est-ce que tu me parles toi? Il n'y est pas le drapeau.
Arrête de me dire que le drapeau. Putain. Et. Putain, je comprends pas. C'est un truc vraiment à la con. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Putain, sérieusement, c'est vraiment codé avec le cul par contre là. Genre d'où. Pourquoi ils ont mis le drapeau là? Sachant qu'il y a un Kamek derrière. Pourquoi ils ont mis un Kamek déjà? Pourquoi ils ont mis un Kamek là? Plus pourquoi ils ont mis un Kamek là? Il aurait bien pu le mettre ailleurs le Kamek. Non? Putain, ils le mettent au pire endroit où tu ne peux rien faire en fait. Ils l'ont mis à la pire endroit où tu peux strictement rien faire. Hein. Putain, c'est vraiment ça, c'est codé avec le cul quand même. Hein. C'est un peu mal foutu par contre. Hein. C'est un peu mal foutu. Parce qu'une fois que... En fait là du coup il faudra vraiment être... Je pense que il faudra être ultra haut. Je pense comme ça il va viser ultra haut ou même voir ultra bas. Comme ça il vise ultra bas en bas. Et le temps qu'il se téléporte on peut directement y aller. Mais je m'en souviens même plus s'il y a un truc... merde. S'il y a un truc pour pouvoir accéder... tranquillement à ce que je demande. Ok, bon ça c'est de la merde. Ok, c'est pas ce que je demande. Voilà, donc là je pense que c'est pour ça l'interrupteur, je parie. C'est pour ça l'interrupteur, les amis, je parie. Non? Putain, vous allez voir. Juste parce que ça va être ça. Vous allez voir, ça va jouer sur... Putain, on a frôlé le poids de cul. Voilà. Là, maintenant, là, il n'a pas apparu le Kamek. Il n'apparaît pas pour le moment. Du coup, on va attendre un petit peu. Putain, mais comment voulez-vous? Il faut runner. Il faut speedrunner. Mais tu peux pas. Mais what? Mais attendez, non, mais c'est un bug. Mais c'est un... Putain, mais c'est un bug. Mais attendez, le jeu, il est broken, en fait, là, actuellement. C'est un genre de broken glitch. Entre autres. Putain, je vais me manger le truc. Comment voulez-vous? Je sais pas. Honnêtement, là... Putain. Putain, c'est merde. Pourquoi il y a autant de Kamek? Putain, ils auraient pas pu en mettre un, quoi. Quoi? Attendez, il fallait éliminer le Kamek pour pouvoir faire apparaître le drapeau? C'est une vanne? Il fallait éliminer le Kamek! Alors ça, on est censé le savoir tout seul. Putain, sérieusement. Bon, moi ça c'est fait. Et on va pouvoir s'arrêter là après, du coup. Oui, tu as réussi ma mission. Que les montagnes arrivent, quoi. Que le spectacle commence, quoi. Oh putain, non, pas encore. Ça c'est malaisant, ça, en fond, quoi. Putain, arrêtez, quoi. C'est débile, quoi. Putain, sérieusement. Ils sont vraiment merdés, Nintendo, quand ils ont fait ça. Hein. Les montagnes poussent. C'est bon, t'en as plus? Si, t'en as une autre. J'ai une dernière mission pour toi. Quoi? Si tu m'aides, je t'offrirai des vêtements très spéciaux. Quoi? Ok, d'accord. J'ai aussi mis, oui, pour toi, administrateur. Bah écoutez, c'est ce qu'on fera la prochaine fois. Je vous remercie du coup de m'avoir suivi pour cet épisode 9 de Super Mario Maker 2. La prochaine fois, on continuera avec l'épisode 10, dans lequel nous terminerons du coup, en tout cas, la quête secondaire avec le quoi. Je crois qu'on n'en aura plus du tout pour le moment. Donc du coup, il n'y aura que l'émission principale. Donc la prochaine fois, on fera du coup la mission secondaire. Putain, il y a tout qui repart. C'est parfait ça. Oui, voilà. Très bien. Trop de pièces. Du coup, la prochaine fois, on fera du coup la mission qui est dédiée. Tout simplement, on va juste rentrer au premier étage quand même pour... voilà. Comme ça, on va pouvoir s'arrêter là après avoir récupéré ça. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. En tout cas, c'était Azuric Peratia. Il nous manque 205 pièces pour pouvoir construire le canon à l'aile ouest. C'est ce qu'on fera, bien sûr. Donc on construira le canon, comme ça au moins on terminera un peu pour le moment cette tour. Il faudra juste s'attaquer ici la prochaine fois, puis après on s'attaquera à la suite. Il y a tellement de choses à faire, on est à peine à 37%. Donc je vous remercie du coup de m'avoir suivi, c'était Azuric Peratia.
Oh yes, allez, bye tout le monde.